Je sais déjà, je vous ai récemment fait une vidéo condensée de toutes les rumeurs et les fuites au sujet de l'iPhone 13, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui traînaient sur Internet et ça me faisait plaisir de vous faire un petit résumé et de vous tenir informé de tout ça, comme par exemple le fait qu'il y avait le retour de Touch ID sur l'iPhone 13 grâce à Qualcomm qui a une super technologie pour faire ça. Bref, je ne vais pas vous faire toute la vidéo, si vous souhaitez regarder ça, c'est juste ici. Et je vous avoue que je pensais être tranquille avec les iPhones, je ne pensais pas avoir à en reparler d'aussitôt. Mais ce matin, en mangeant mes Chocapic, j'ai vu que il y avait un iPhone Fold en préparation et du coup, je suis obligé de vous faire une vidéo. Donc, Apple serait actuellement en train de tester différents types d'écrans pliables en interne. Pour être tout à fait précis, Apple a déjà des prototypes d'iPhone et on sait qu'Apple travaille sur deux smartphones pliables. Une version dite normale et une version Max pour répondre à tous les besoins et toutes les envies. Il y a aussi une rumeur intéressante qui dit que Apple aurait trouvé un composant plus résistant qui permettrait de rendre leur téléphone non seulement pliable, mais aussi plus fiable que ceux de la concurrence. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Apple pourrait coupler iOS, qui appartient à l'iPhone, et iPadOS quand le téléphone serait ouvert. Donc ça, ce serait vraiment le futur de pouvoir avoir les deux expériences qui sont quand même différentes avec un seul produit. À mes yeux, je pense qu'Apple est vraiment la marque qui est la meilleure pour les systèmes d'exploitation et qui a le meilleur écosystème pour faire un smartphone pliable. Je ne veux pas du tout comparer le Fold 2 de Samsung à un téléphone qui n'existe même pas, mais c'est vrai que quand on utilise le Fold 2 fermé ou ouvert, on a exactement la même interface et la même disposition des informations sur l'écran. Quand je l'ai eu en main, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par le fait qu'on n'optimise pas assez, à mon sens, l'affichage, alors que je pense qu'Apple pourrait vraiment se démarquer à ce niveau-là justement. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore le Galaxy Fold 2 et c'est vraiment le genre de téléphone qui me motive à faire des vidéos sur YouTube et surtout des vidéos tech sur YouTube. Par contre, c'est vrai qu'il est super cher. Bien, il est super bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Apple en est à ce stade-là, c'est qu'on est encore à au moins 2 ans d'avoir un iPhone pliable dans nos poches. C'est vrai que ça ne nous empêche pas de voir ce qui s'offre à Apple en termes de possibilités aujourd'hui ou même d'inspiration et de voir si les smartphones pliables sont l'avenir des smartphones. D'ailleurs, on va essayer de répondre à tout ça en deuxième partie de la vidéo. On connaît officiellement 3 types de smartphones pliables. Le premier, on va l'appeler le bouquin, parce qu'il est comme ça, quoi. Comme par exemple le Galaxy Fold, qui est dans ce genre-là, ou le Mate X de Huawei, qui s'ouvre comme ça. Honnêtement, les deux versions sont très similaires. Le Fold, en fait, va avoir la particularité qu'il est plié vers l'intérieur, ce qui fait que quand il est fermé, on a l'écran sur ce côté-là. Alors que le Mate X se plie dans l'autre sens. Ce qui veut dire que quand il est fermé, on a un téléphone comme ça, on a l'écran ici, et que quand on l'ouvre, il va faire ça. Et du coup, on aura l'écran plus grand et on pourra le refermer comme ceci. Ce qui veut dire qu'avec le Huawei, on aura un écran et avec le Fold, on aura bien 2 écrans. Les deux technologies s'y ressemblent vachement et surtout, elles sont super pratiques. Elles permettent de passer d'un affichage smartphone à tablette en gardant un form factor extrêmement compact. Enfin, compact. Ça va permettre non seulement de faire énormément de choses comme de travailler plus sérieusement avec son smartphone, utiliser par exemple 2 applications en même temps ou même juste de regarder un film en ayant un maximum de confort. La deuxième catégorie de smartphone pliable, c'est le smartphone pliable que je vais appeler motorisé. Comme par exemple le Oppo qui est capable en fait de s'agrandir avec un moteur qui va étirer le téléphone. C'est vraiment quelque chose de super cool et j'espère que je pourrai le tester sur la chaîne prochainement. C'est vrai que c'est un téléphone assez cher, mais j'espère que je pourrai mettre la main dessus pour vous le présenter. Il m'a l'air super intéressant. Et suite à ça, on a le dernier style de smartphone pliant que j'appellerai les clapets en hommage à nos anciens téléphones. Big up. Vous avez certainement entendu parler du Z Flip ou vu des pubs là-dessus. Alors ça a un côté stylé, mais je ne sais pas si ça va être vraiment utile d'avoir un téléphone qui se plie dans ce sens-là. Après, ça peut le rendre assez compact et ça a un côté un petit peu fashion. Ceux qui ont un Z Flip ou ceux qui veulent un Z Flip, n'hésitez surtout pas à me dire pourquoi est-ce que c'est un téléphone qui vous intéresse. Je juge pas, hein, c'est juste pour savoir. Personnellement, moi j'ai une petite préférence pour le Oppo et son moteur. Je trouve que ça fait vraiment super cool d'avoir un téléphone qui puisse s'agrandir dans ce sens-là. Après, ça me laisse beaucoup de questions en suspens, comme par exemple sur la durabilité à long terme, les risques de panne des moteurs ou autres, les frais de réparation si le téléphone se casse ou tombe. De votre côté, dites-moi quel modèle est-ce que vous préférez dans les modèles pliables et bien entendu, si vous aviez un budget limité parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. D'ailleurs, je ne pensais que je ne vous ai pas dit pourquoi est-ce que les smartphones pliables sont aussi chers. Oui, parce que j'ai fait ma petite recherche. Et comme ce sont des smartphones différents, ils ont des composants différents. On parle notamment d'une couche de protection en polymère qui permet à l'écran d'être plus résistant et aussi d'être pliable. Il y a également une charnière qui demande une grande précision. Et qui dit grande précision dit... De grandes responsabilités. Non, dit grande facture. Et tout ça sans compter toute la partie de recherche-développement. Il faut savoir qu'on est au tout début des smartphones pliables. D'où le prix qui est vachement élevé. Pour le moment, mais quand les coûts de recherche-développement seront lissés par le temps, on aura le droit à des smartphones pliables beaucoup moins chers ou beaucoup plus abordables, comme vous voulez.
En gros, vous pourrez en avoir quoi. Du coup, la dernière question, est-ce que les smartphones pliables sont l'avenir? Honnêtement, je pense que oui. Il y a des centaines de brevets concernant les smartphones pliables et ces brevets appartiennent à beaucoup de marques différentes. Il n'y a pas une marque qui a le monopole des smartphones pliables ou des brevets. Le problème en fait avec cette technologie, c'est qu'à l'heure où je fais cette vidéo, ils sont encore beaucoup trop chers comme je vous l'ai dit. Et la première plus-value qui devrait être liée à ce produit, qui est à mes yeux le côté pratique, le côté compact ou même le côté confort d'avoir un bel écran, n'est pas du tout compris par les marques, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à prendre un smartphone pliable pour montrer qu'on en a un, même si le système d'ouverture ou de fermeture donne l'impression qu'il va se casser à chaque fois qu'on utilise le téléphone. Ou encore qu'il faut l'ouvrir pour voir l'écran, ce qui fait qu'on a une étape supplémentaire et donc à chaque fois qu'on prend un téléphone, on est obligé de faire cette étape supplémentaire. À savoir qu'en moyenne, on prend notre téléphone 220 fois par jour, ce qui veut dire que vous avez intérêt à aimer ouvrir et fermer votre téléphone vu que vous allez le faire en moyenne 220 fois par jour. Je vais être honnête avec vous, j'ai hâte qu'Apple nous sorte son iPhone pliable, histoire de montrer un peu une direction à la concurrence. Waouh, ça fait vraiment phrase d'Apple addict ça. J'aurais jamais cru dire un truc pareil un jour. Une direction sur un produit tech, tous les concurrents du marché vont suivre un petit peu cette direction et ça que ça soit Apple les premiers à avoir mis en place une technologie ou non. Bref, j'espère vous avoir apporté ou appris 2-3 trucs dans cette vidéo. C'était André Martin, à très bientôt.